Jenna, est-ce que tu veux un petit gâteau trop bon qu'on aime trop? Oui. Regarde. Ça te fait bobo aux dents? Montre le bobo aux dents. Là et là. Quand tu manges ça, ça fait bobo aux dents. Jenna, montre un moment. Ouvre la bouche. Ici? Oui, là et là. Tu veux pas gâteau à cause des dents? Elle refuse un gâteau. Donc là, pour nous, c'est vraiment la sonnette d'alarme. Là, c'est urgence extrême. C'est vraiment la première fois que Jenna a mal aux dents comme ça. Donc là, quand ton bébé a mal aux dents, bah, tu le vis un peu mal. On ira brosser les dents après, d'accord? Non. Pourquoi non? Parce que ça fait un carré. Quoi? T'as une carie? Non. Par contre, Jenna, je pense qu'on va peut-être... Non. On peut appeler le dentiste? Non. Comment non? Parce que ça fait du bruit. C'est quoi qui fait du bruit? Du dentiste. Ça fait zzzz sur les dents? Ouais. Mais Jenna, maman, elle veut te soigner aussi. Non. Tu sais pourquoi t'as des caries? Parce que t'as mangé beaucoup trop de chocolat avec ton père, c'était à Noël. Ouais. C'est ça, hein? Oui. C'est vrai qu'Oliver, je vais dire que c'est un peu le fautif, voilà. Parce que lui, il aime trop manger des bonbons, des chocolats devant les enfants. J'y partage avec Jenna des gros carrés de chocolat par-ci, par-là. Je vais prendre le partage. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours énervée. J'ai toujours dit arrête de donner du chocolat, arrête de donner des bonbons, arrête de faire ça. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Ouvre la bouche. Oh. Come on. Ah, on fait ce côté déjà. Enlève cette langue. I, A. On fait le I. Ok. O. A. O. A. A. O. Non, pas O. A. O. A. O. A. Il y en a assez rigolé avec ça. Allez, A. Bon, ouvre la bouche. Bon, là, il n'y a pas moyen. Tu sais ce qu'on fait? J'ai des choses à faire. Jenna. Non, pas le téléphone. Non, non, non. Pas le téléphone. Je vais poser la brosse à dents. J'essaie de m'isoler pour essayer d'appeler un dentiste pour pouvoir prendre un rendez-vous parce que Jenna ne veut pas que je passe ce coup de téléphone. Elle a une peur bleue du dentiste. Alors, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour ma fille de 3 ans qui a des douleurs au niveau des grosses dents du fange. Et je voulais savoir si vraiment, en urgence, vous n'auriez pas un rendez-vous dans la journée. Parce que là, je pense qu'elle est vraiment en souffrance. D'accord. Eh ben, écoutez, j'ai de la place cet après-midi, si vous souhaitez. Ah ben, super, super. À quelle heure, s'il vous plaît? 16h cet après-midi. Super, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon, le point positif, c'est que quand même, on a réussi à prendre rendez-vous chez le dentiste. Mais d'amener un enfant de 3 ans chez le dentiste, moi, je connais pas, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc, je sais... Là, je me pose la question. Comment va faire la dentiste? Ah, baby, je suis trop stressée, là. Déjà, j'aime pas y aller pour moi. Là, pour Jenna, ça va être chaud. Là, c'est normal.